On se retrouve, toi et moi, dans la petite Clito mobile. Là, ne t'inquiète pas, la caméra va rester en place. Même si je fais une accélération, ça risque pas de bouger. Bon, faut qu'on parle, toi et moi, on a des choses à se dire. J'ai pris une grande décision. Il est temps pour moi de me remettre en prépa compétition en classique physique. Tu vas me dire, putain, c'est cool, il était temps. Qu'est-ce qu'il foutait ce gros débile pendant tout ce temps? Eh ben écoute mon ami, c'est tout simple. Tu sais, moi je suis pas le genre de gars depuis le début, même si je suis très passionné par le body, à faire 36 000 compètes par an, c'est pas mon truc, c'est plus quelque chose qui va me dégoûter qu'autre chose. Et voilà, je prends toujours le temps d'avoir plein de paramètres réunis pour pouvoir faire une compétition dans un bon état d'esprit. Et il se trouve que là, bah, tous les paramètres sont verts. Et donc, je me suis dit, bah, allez, on va se faire une petite compète. Alors, il y a aussi le fait, si tu veux, qu'il y a 3-4 semaines, le NPC a modifié le règlement pour les poids, pour la pesée. Donc moi je passe de 101 kg à 103 kg. Donc je vais pas te mentir que sur mon physique ça change énormément de choses. Je vais pouvoir arriver beaucoup plus plein. De toute façon, tu sais quoi, je vais te mettre la transfo de mon poids à 99,5 100 kg contre mon poids à 103 kg et tu vas comprendre la différence. Tu vas comprendre pourquoi j'ai une carte à jouer. Et pourquoi aussi j'ai envie de me représenter et d'afficher un physique qui me plaît et puis surtout d'être à 100%, c'est surtout ça aussi. Parce que la dernière fois, ce qui m'a saoulé, c'est de ne pas avoir rechargé assez et puis d'avoir eu un physique beaucoup trop fatigué en fait.
Donc là, je vais pouvoir m'afficher à un poids où j'aurai une belle densité, j'aurai de belles proportions, peut-être j'arrive plus à parler, de belles proportions, je serai full. Et surtout, le but, c'est de ne pas foirer la recharge aussi, de pouvoir manger assez et remplir mon physique. Alors du coup, j'ai commencé la préparation aujourd'hui. De toute façon, comme tu as pu le voir avant, j'ai fait un beau petit déjeuner. J'ai repris la diète. Donc là, je suis à 3000 calories, 10 000 pas par jour, j'ai pas de cardio. Mais ça, on expliquera ça dans une autre vidéo. Là, le but, c'est surtout de te dire que voilà, je repars en prépa. Les 3 mois de force, 3 mois et demi, c'était fantastique. Franchement, un grand merci d'ailleurs à la communauté, même si on est des communautés très proches, mais c'est quand même une communauté à part. J'aimerais beaucoup vous remercier de votre motivation, beaucoup de soutien, beaucoup de gens qui m'ont encouragé. Alors que je viens pas du tout de ce milieu, je viens d'un milieu complètement opposé. Et comme pareil, comme avec l'haltérophilie, comme avec le crossfit, etc. Tout le monde se tire un peu dans les pieds et je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve qu'en se serrant les coudes, on a tous nos compétences et on peut tous se tirer vers le haut. Et justement, le fait d'avoir fait le mock meet, donc mon test en mode compétition, à la salle à Montpellier avec tous les autres qui s'entraînent pour les championnats du monde et tout, puis les voir m'encourager, me motiver, m'apprendre des choses aussi à propos de ce milieu-là, bah, je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça super enrichissant et super motivant, quoi. Donc, l'avantage dans tout ça, c'est que j'ai appris énormément de choses et en plus des choses qui vont m'apporter beaucoup de bonus, beaucoup de points positifs à ma préparation en body là. Donc, c'est génial, c'est vraiment génial. Ça aussi, je ferai une vidéo plus en détail pour vous expliquer le pourquoi du comment et tout ce qui va être chaîne postérieure, lombaire, fessier, etc. Ça va vraiment beaucoup m'aider. Donc c'est vraiment génial. Donc, je ne suis plus avec Patrick en coaching. Voilà, c'est la première fois en 8 ans. Hein, ça faisait 8 ans. Hein. De toute façon, j'ai eu qu'un seul coach en bodybuilding. Depuis que je fais des compètes, donc depuis 2015. Donc on a fait 7 ans de parcours ensemble. Je le remercie énormément, mais voilà, j'ai choisi une autre façon de faire pour cette compétition, comparé à ce que j'ai pu faire l'année dernière, que ce soit sur le point de vue d'un point de vue diététique, entraînement, cardio, produit aussi. Malheureusement, je voulais vous en dire plus à propos de ma préparation en termes de prod, etc. Mais avec Olympe, je ne peux pas. Et je vais respecter à la lettre ce qu'ils me disent, car je le comprends entièrement. Voilà, il y a un contrat, etc. Et dans tous les cas, c'est quelque chose d'illégal. Hein. Bon, même si ben, voilà, on pourrait en parler un peu plus librement, je pense que ça pourrait amener à certaines personnes de meilleures connaissances et éviter de faire certaines conneries. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Et voilà, j'aurais aimé vous en dire un peu plus, malheureusement je ne peux pas, mais tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un peu ridicule ce que je vais faire là, parce que dans tous les cas j'ai 15 kilos à perdre, donc vous imaginez bien que je ne vais pas envoyer la sauce. Et là, rien que le fait de repartir sur un entraînement muscu avec la force que j'ai acquise déjà en haltéro, j'ai vraiment pas besoin de prendre quoi que ce soit à ce niveau-là, enfin bref. Voilà, donc j'ai choisi de faire ma petite route avec Louis, avec The Prep Dad. Vous en avez déjà peut-être entendu parler, ou vu sur Insta, je vous mettrai sur Instagram. Pourquoi j'ai choisi Louis? Bah parce que ça fait quelques mois qu'on se connaît, je sais la préparation qu'il a faite à Jojo Rush, je sais comment ils ont procédé, ça m'a intéressé. Moi je voyais déjà les choses un peu comme ça, même en voulant refaire une autre prépa, je voyais déjà un petit peu les choses comme ça. Donc, on a été très vite sur la même longueur d'onde et de toute façon je voulais pas non plus me préparer seul à 100%. J'aurais voulu avoir l'avis de quelqu'un sur ce que je fais, donc autant l'avoir complètement dès le début, autant avoir quelqu'un qui gère tout ça dès le début, ça m'enlèvera du stress,
ça va me les délaisser d'un poids. Donc ça, c'est super important pour moi. Et puis, on s'entend super bien et je pense vraiment que cette prépa va être vraiment superbe sur tous les points. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte de voir les résultats là, d'ici quelques semaines. Donc là, j'arrive à Giga, je vais faire mon premier entraînement. Je vais vous filmer tout ça. Et puis de toute façon, là, vous êtes parti pour une bonne série de vidéos toute la semaine. Pour une fois, on est synchro. Putain. Ça va, mon Nico? J'ai la même que toi. C'est vrai? Regarde, je roule en Clio. Ça y est, premier exo. J'ai fait un petit exo de chauffe et je me suis bien échauffé le haut du corps tout à l'heure. Bah, j'allais pas vous filmer ça, ça va faire un peu long sinon. Donc là, je passe sur le premier exercice, je m'échauffe toujours. Ça me fait bizarre de faire l'incliné sans tempo. Comme au coucher en force. Donc là, je vais avoir deux séries. Donc je prends le temps de bien me chauffer. Faire des séries 12-15. Bizarre parce que là du coup mental. J'avais plus l'habitude de l'incliner. Ça, c'était ma première série. Première série 9-12. Après, on va faire 13-16. Entre 13 et 16 reps. Je vais laisser à ce poids-là. Je pense qu'on sera. Ça sera bien. Je sens déjà la congestion de fou. Ouais, là, je commence la première série. Première série à la chest press en prise neutre. Le but, c'est de faire 9-12 reps. Les deux séries, pareil. Wow. Ça brûle vite. Là pareil, deuxième série, je vais faire 13-16 reps. Je vais juste rajouter 5, ça suffira. Pfff.
que j'ai un peu de malade. Allez, ça, on a fini. On enchaîne. Allez, on a trois séries. Trois séries pareilles, 13 à 16 reps. Élévation latérale, c'est bon. Passer en unilatéral. Triceps. Mm-hmm.
la série. On tient un peu le poids. Ça s'est bien passé. Toujours bien que moi je chauffe mes triceps. D'ailleurs, je vous conseille toujours de commencer vos triceps avec de la corde. Quelque chose de mouvement très fluide. Et surtout, vous allez pouvoir avoir un mouvement naturel, une extension naturelle. Et pas un truc du genre barre au front, avec la barre Z, ou une machine quelconque, etc. Commencez peut-être par de la corde, voilà, un exercice à la poulie. Ça va bien mieux envoyer, échauffer vos articulations, envoyer du liquide synovial, etc. Et puis ça va surtout moins vous les abîmer. C'est super important, parce que en vrai, en muscu, c'est surtout les coudes, mais aussi les épaules qui prennent le plus, mais les coudes, c'est important de bien les entretenir. Latéral, triceps, press down, c'est pareil. Unilatéral, bonne sensation là sur les triceps. Je dirais que commencer, vu qu'on a commencé avec un exo d'étirement, je sens que c'est bien congestionné. Ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé les triceps comme ça à part, donc là c'est super. Encore deux séries, j'ai trois séries en tout. Puis après on a fini la séance, c'était séance push. Donc c'est vrai que moi avant dans le passé je faisais pas trop des formats comme ça d'entraînement, mais ça change un peu, puis un peu comme j'avais avant en force, je suis nombre de séries, etc. Donc voilà. J'adore cet exo.